Fondation Longue Longue à Yabassé. J'ai dit hier soir à la rue des journaux, un médecin français a découvert un grand malaise menaçait le monde. C'est grand danger, ce nom le sida. Docteur Tonnerre m'a dit un jour, faire attention Longue Longue, car il existe aujourd'hui sur la terre une maladie qui s'appelle sida. Un beau matin, je me suis levé, pas pour me rendre à la Socinada, mais tout droit vers un hôpital, me renseigner sur le sida. Docteur Belek, qui n'est plus pasteur, Wana Gaga, Wana, Wana, Wana. J'ai rencontré des belles infirmières qui bavardaient avec des infirmiers, accompagnant le seul docteur qui rendait visite à ces malades. Wow, docteur Batek, Ngozi Kanyabasi, Sunglawo. J'ai demandé pardon mon docteur, je m'excuse de vous déranger. Je veux savoir ce que c'est que le sida, le grand féro dont on parle tant. Il m'a dit. Il m'a dit que le sida c'est le mal du siècle, maladie d'amour, maladie du sang. Il m'a dit que le sida c'est le mal du siècle, maladie d'amour, maladie du sexe. J'ai crié, quel malheur pour l'humanité, que va devenir le monde s'il faut mourir en faisant l'amour. Le docteur a ri, il m'a dit tu es stupide mon cher. Après tout, tu dois mourir un jour comme un autre. Si vous buvez trop, il y aura l'abcès de foie. Si vous mangez trop, tant pis pour vous, c'est l'estomac. Il y a des avions, des voitures, bien sûr, toujours il y a la mort. Il y a des belles cyclines, bien sûr, toujours il y a la mort. Aïe. Tu dois mourir un jour comme un autre. Aïe, aïe, aïe. Il m'a dit que le sida, c'est le mal du siècle. Maladie d'amour, maladie du sang. Le docteur m'a dit, il m'a dit un jour tu dois mourir. Comme le cancer, la tuberculose, la maladie du sommeil. La sida, si vous faites l'amour, n'importe quand et n'importe comment. Ça te dit qu'on te l'hygiène, le sida viendra. Aïe, aïe, aïe. Il m'a dit que le sida c'est le mal du siècle. Maladie d'amour, maladie du sang. J'ai prié à mon Dieu que va devenir le monde taillé. Quant à moi, Longue Longue, je vais abandonner l'amour. Le docteur Harry, il m'a dit tu es vraiment stupide. S'il faut abandonner l'amour, pourquoi donc tu es né mon fils? Aïe aïe aïe, tu sais pas que tu dois mourir un jour. Comme toutes les autres maladies, le sida est une maladie. Si j'avais fait des grandes études de langue française, comme c'est dans le Sénégal du Sénégal, je saurais peut-être. Si je pouvais parler français comme même Césaire des Antilles, je saurais peut-être l'explication du mot conjoncture. Aïe, aïe, aïe. La conjoncture, la conjoncture, la crise économique, c'est la sécheresse des banques. La conjoncture, la conjoncture, la crise économique, c'est la sécheresse des banques. Je pouvais devenir un jour grand économiste comme M. Jacques Delors ou M. Kadjine Fosso. Je trouverai une solution pour sauter cette crise. Vraiment mes amis, Longue Longue, je n'y peux rien. Aïe aïe aïe. La conjoncture, Longue Longue. La conjoncture, la crise économique, c'est la sécheresse des banques. Si je pouvais parler au peuple et le convaincre comme Nelson Mandela ou Félix Oppenheimer, je m'anirais dans tous les pays du monde à ses libérateurs pour leur expliquer que la crise n'est pas éternelle. La conjoncture, on y mouti, la conjoncture, ouais. La crise économique, c'est la sécheresse des banques. Dans toutes les radios diffusant du monde entier.
tous les discours des politiciens du pays confondu en Afrique à Wonne. Ce mot revient, ce mot revient. Il y a des milliers de chemins dans toute la ville du monde et du Cameroun. Et pardon, ne savait plus où mettre la requête. Même la Banque mondiale déplore cette crise. Même les commerçants de Bamboula n'arrivent plus à vendre. Même les commerçants de Yabassi n'arrivent plus à vendre. Même les commerçants de Consaba n'arrivent plus à vendre cacao. N'arrivent plus à vendre café. N'arrivent plus à vendre cacao, café. Les commerçants de Bangoulap n'arrivent plus à vendre. Les commerçants de Yabassi, mais les caisses de Taïo vide vide. Mais les caisses de Taïo vide vide. Les fonctionnaires n'ont plus de salaire. Les musiciens n'ont plus de droit d'auteur. La société ne perd plus mon frère. C'est la conjoncture. C'est la conjoncture. C'est la conjoncture. C'est la conjoncture. Où est donc la loi, yo? Mais que garantie? Où est donc l'argent, bébé? Vous prenez l'argent des Africains, vous allez vivre dans les hôtels à l'Europe. Pendant que les populations souffrent, vous prenez l'argent des Africains, vous allez vivre dans les hôtels à l'Europe. Pendant que les populations souffrent, où est donc la loi, yo? Mais que garantie? Où est dans la chambre, oh, oh. Mais qui garantit, mais les caisses d'État, yo. Vidéo. Mais les caisses d'État, vidéo. La chambre des impôts, vidéo. Le salaire des fonctionnaires, vidéo. Les fonctionnaires n'ont plus de salaire, les musiciens n'ont plus de droit d'auteur, les retraités n'ont plus de pension. Où est dans la chambre, eh? Où est donc l'argent, yo? Mais que